Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous fais présentation des bébés de Cookies. Voilà, elle s'appelle Cookies, c'est la lapine à mon cousin, il lui a trouvé ce nom quand il était en vacances chez nous, enfin chez moi. Et voilà, alors il lui a donné un nom et elle s'appelle Cookies, enfin entre guillemets la grande. Alors voilà, je vais vous présenter ses petits bouts de chou. Alors pour commencer, je vais vous dire un peu les préférés, ceux qu'on garde et ceux qu'on garde pas. Alors le préféré à mon frère, qui a Zelda, voilà j'ai un frère et une sœur, hein. C'est lui. C'est un marron garenne, il est tout marron, et moi je l'appelle le lapin de compète, pousse-toi là. Je l'appelle le lapin de compète parce qu'il a des toutes petites oreilles, et une tête bien ronde, comme les lapins de compétition là. Alors ça c'est drôle, et il est trop choupidou. Voilà, il fait un peu le fou. Il est trop mignon. Voilà, c'est le tas de crottes de la mère. Avec sa sœur, elles font toujours caca devant et c'est très chiant. Alors je suis obligé de nettoyer tout le temps. Après 3 jours ou 4, ça fait ça, c'est trop chiant. Ah, elle est chiante. Toujours caca devant. Ensuite, nous avons... Voilà mon préféré, je l'ai mis là pour vous le présenter vu que le marron garenne... Enfin, le tout marron, on le voyait bien dans le capier, mais eux, ils se mettent au fond. Il est comme ceci, il est bleu et blanc. Bleu, ça veut dire qu'en fait... Oh, ils se cachent. Ils ont les... Enfin, bleu, c'est du gris, mais... Bah, comme si c'était du bleu, en fait. Alors, il est bleu papillon, avec une petite tache là. Là, bah, papillon... Enfin, comme les papillons, et là, une petite liste. Il est trop mignon. Alors, le marron garenne, je ne vais pas le garder parce que mon frère a déjà Zelda, sa lapine, et elle pourra faire des bébés quand elle sera en âge de se reproduire. Et lui, bah, je pense le garder, mais si c'est une femelle, bien sûr, si c'est un mâle, bah, j'aurai le regret de le vendre. Parce que je ne garde pas de mâle, vu que j'ai déjà Blanco. J'ai déjà Blanco, ah, il mange des orties, le fou. J'ai déjà Blanco, j'ai déjà Grisou, j'ai déjà Petit Wabbit, j'ai déjà Peinture, j'ai déjà Pampan. Et j'ai maintenant Swap. Alors bah les mâles, voilà quoi. Je ne peux pas garder que des mâles. Mais les femelles, bah vu que j'aurai des parcs immenses. Là on a déjà mis, j'ai déjà mis les poteaux pour voir la grandeur des parcs et tout. Aussi des poteaux pour montrer, délimiter un peu où sera la cabane et tout. Et ça va être du grand truc. Pour mes lapines, alors ça va être juste super. Voilà, et je vais coller les parcs, comme ça, ça fera une économie de grillage. Alors voilà. Voilà, petite parenthèse, revenons à sa présentation à ce petit fou qui mange des orties. Alors voilà, il a les oreilles marron, marron, ouais. Les oreilles grises, enfin gris bleuté, avec le contour là. Je suis bête, je pensais au marron là, alors voilà, c'est pour ça que j'ai dit marron. Regardez, il aime bien les orties, lui, c'est un fou. Et voilà, c'est mon petit préféré. Bah oui, ça pique le nez. Bah oui, il est con. Désolé pour le mot, mais c'est vrai, il est un peu bête, quoi. Manger des orties, quoi. Bon, attendez, je vais écarter la boîte. Mais après, il y a le soleil, bichon. Oh, t'es chiant. Voilà, mon petit préféré. Et revenons un peu au marron garenne qui est là. Ensuite, nous avons celui-là, le préféré à mon petit cousin, celui-là bah, qui a la maman. Il est comme ceci, il a du noir, du marron et du blanc. Il est comme la maman, sauf qu'il a du noir. Et là, nous avons le petit garenne. Alors, eux deux, on ne compte pas les garder, tout simplement bah, parce que sinon j'aurais beaucoup trop de lapins, quoi. Hein. Mais mon préféré, je sais pas. Et voilà. Et après, je vais vous montrer le dernier, le quatrième. Que je vais garder. Bon, le voilà. Hein. Alors, il est gris et blanc. Alors, en fait, il est gris à jarre blanc. Ça veut dire qu'il a les oreilles à l'intérieur blanches, le contour des yeux blanc et le dessous du ventre blanc. Alors, lui, c'est le préféré de mon grand cousin. De mon grand cousin, enfin, le plus grand de mes cousins. Et je vais le garder parce que lui, il a pas beaucoup de lapins. Il a juste, bah, Petit Wabbit. Et bah, je vais le garder pour lui faire plaisir.
Même si c'est un mâle ou une femelle, parce que tout simplement, il est trop magnifique, quoi. Il est trop mignon, alors lui, je pense très sérieusement le garder. Et lui aussi. Voilà. En tout, dans les lapros, j'en garde que 3. Le noir et blanc de Nikita, que je pense garder. Lui, que je pense garder. Et lui, c'est à coup sûr que je le garde. Voilà. Voilà les bébés qui sont trop cute. Ils sont trop magnifiques ceux-là. Un de chaque couleur. Alors ça me fait trop penser à les 4 de lune. Je sais pas si ça vous fait penser la même chose, mais moi, mais trop penser. Parce que dans lune, bah il y a les 4 couleurs différentes. Et là, ils sont 4 couleurs différentes. Voilà. Ça me fait trop penser à ça. Voilà, cookies. Enfin, cookies. Je sais pas pourquoi j'ai dit cookies, mais je préfère cookie, comme il l'a appelé, bah cookie. Ouais, mais je vais mettre la grande dans le titre pour que vous vous y retrouvez, mais bon, elle s'appelle cookie. Et là, le petit de compète, on va dire, parce qu'elle a les oreilles courtes et la bouille bien ronde. Moi, j'appelle comme ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, un lapro de compète, parce que si vous comparez les oreilles de lui et lui, ils n'ont pas les mêmes oreilles, enfin... Voilà, c'est celui-là qui a les plus petites oreilles. Et la tête bien ronde. Et lui aussi, il a la tête ronde. Oh, regardez la grosse. Elle est trop belle. Avec, bah, ces merveilles de bébé. Voilà, ils sont trop choupinours. Trop mignons, juste... Voilà. Celui-là que je pense garder. Le gris... En fait... Lui, il faut que ça soit obligatoirement une femelle. Sinon, je le garde pas. Voilà, ce serait trop bien que ça soit une femelle, quoi. Désolé pour les poules. Voilà, ce serait trop bien que ça soit une femelle. Comme ça, bah, je pourrais la garder, si c'est une femelle. Le gris, bah, n'importe. Et les deux autres, bah, je les garde pas, malheureusement. Là, ils sont en mode dodo. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Ils sont juste adorables. Oh là, il va se nettoyer. Oh. Et le Tessie. Double nettoyage. C'est trop choubidou. Alors, la mère, je vais la sortir après, mais séparée de Nikita, vu que. Sinon, bah, elles vont se fight et tout, vu que maintenant. Elles ont des bébés, alors elles sont plus méchantes, on va dire, entre elles. Alors voilà, je vais attendre un peu. Oh, le green nettoie le petit marron. Trop chou. Et là aussi. Oh. Je vous les montre vite fait, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, c'est pas eux que je montre. Hein. Lui se nettoie, l'autre il nettoie. C'est trop choupinours, trop mimi, trop plein de choses. Voilà, là c'est un peu en mode grosse lock. Et en fait, je leur mets ça hop, au-dessus. Et en fait, là c'est leur nid, enfin ils dorment ici tout le temps. Ils adorent grimper dessus et tout, enfin voilà. Là ils ont bougé. Voilà, je vous les monte encore un petit peu. Comme vous aimez bien les vidéos longues. Et voilà, leur présentation. Je vais vous faire un petit peu la revue, enfin, vite fait de tous. Voilà, celui-là que je vais peut-être garder, le bleu-blanc. Celui-là que je ne vais pas garder, la marron, voilà. Je vais pas la garder, malheureusement. Mais bon, voilà. Le petit marron que je ne vais pas garder, malheureusement, mais même s'il est trop mignon, mais je vais pas le garder. Sinon, ça me fait beaucoup trop de lapins. Hein. Et le gris... Ajar blanc que je vais garder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bye, à plus pour une prochaine vidéo. Salut!